Après. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est où? Elle est partie, voilà. Partie ce matin. Pas de bol, à quelques heures près. Mais... quand? Comment? Et... pourquoi? Elle a sauté dans l'eau. Dans l'eau du port. Tout habillée, entre les bateaux. Elle a agité sa main vers nous, une dernière fois. Et elle s'est mise à nager. Tout droit devant elle, elle nageait. On est resté là, à la regarder rapetisser. Rapetisser à la pointe de son siège. Jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Elle est partie sur son cheval. Chercher d'autres gens qui l'aideraient vraiment. Pas comme nous. J'espère qu'elle va en trouver. Moi, si elle repasse par là, je l'accompagne cette fois. Je rate pas ma chance encore. Non. Elle est repartie vers chez elle. Vers son monde de plateforme. Tout droit. Dégoûtée. Le maire lui avait pas tout effacé au final. Non, elle se rappelait, enfin pas tout, mais la direction en gros. Et puis, tellement envie de rentrer sûrement. De toute façon, c'est génétique. Comme les oiseaux migrateurs, ils suivent une route imprimée dans leur minuscule cerveau, c'est inconscient. Ils sont programmés, ouais. Peut-être qu'elle est encore là quelque part. Où ça? Je sais pas, moi. Cachée. À nous mater, pour voir ce qu'on fait, voir si on continue à y croire. Pourquoi on arrêterait? Quoi? J'en sais rien. Alors pourquoi tu nous dis ça? L'univers flippé. Tu veux dire qu'elle aurait fait semblant de partir? Pourquoi pas? Pourquoi? J'en sais rien, moi. Tu crois que tu la connais vraiment? J'y crois pas. À quoi? À tout ça, toute cette histoire pour raconter cette vie. Comme tu veux. T'en es pour toi. Si ça se trouve, vous l'avez tué. Hein? T'es malade? Elle n'était pas comme vous. Elle venait d'ailleurs. Et alors? On n'est pas débiles. Elle dansait mieux que vous. Vous étiez trop jaloux. Mais n'importe quoi, toi! C'est comme vous, vous avez pas fait exprès. T'es pas bien, toi, hein?
l'entendez ou pas, le bip? Ouais. Parce que du coup, les DMA, vous devez faire abstraction de tout le reste et écouter que le bip, parce que sinon, vous, il faut que vous soyez hyper concentré dessus, sinon vous le perdez. C'est vous qui guidez les autres devant, si j'ai bien compris. Lorsque vous êtes... Ouais, ça c'est... Mais même vous, les candidats, là... Le bip, à un moment donné, dès que vous êtes sur les pressions au sol, là, c'est lui votre appui, hein. Johan, c'est pas assez long. Tu les as fait venir trop tôt, ou alors je sais pas s'ils sont venus d'eux-mêmes, je sais pas compris. Non, ils ont fait assez. Mais c'est trop tôt, d'accord. C'est trop tôt, ouais. D'accord, jusqu'à maintenant, vous avez été séparés, juste le temps de ces « et de cette énergie que vous envoyez, c'est un seul et même groupe. Donc en fait, il faut vous dérouler pour pouvoir... Et ensuite, c'est dans ces deux lignes-là qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut le faire durer. Vous avez toujours votre chef d'orchestre, mais il faut continuer. Et c'est pareil, n'hésitez pas à tenter les choses. On est encore à l'heure où on peut tenter les choses. Mais l'espace, il est partout, hein. Tu vois, dans ton intro, c'est vraiment à tout le monde là que ça s'adresse. D'accord. Et puis, il y avait une dernière chose. Les DMA, c'était bien l'énergie, là. Elle était vachement mieux dans le champ. Vous étiez beaucoup plus anonyme, et, enfin, à la fois plus personnel et en même temps beaucoup plus dans une unité. C'était beaucoup mieux. Et continuer à travailler ces attaques-là dans les mots. Vraiment, ça marche vraiment très bien. Respirez. Ça serait chouette qu'on entende vous. Fermez les yeux si ça vous aide. Laissez les élans venir. Vous glissez vos bras dans le sol. Vous lâchez vos mains. Et vous regardez comment vos bras remontent. Vous redescendez. Ils traînent derrière, ils tournent, vos jambes vous ont envoyé quelque part.
dois sentir ce qui se passe derrière, ok? Ça t'empêchera pas de toucher les gars. Après, on peut laisser comme c'est bien. N'ayez pas peur de ça. Moi, vous aurez peur. Évidemment, dans la rencontre. C'est pas un mur que vous touchez, hein. C'est quelqu'un, on est d'accord. Cet après-midi, on reprend la transe une fois, enfin le nombre de fois qu'il le faut, et ensuite il faut qu'on fasse la scène des portables, d'accord ? Demain matin, on travaille, on retourne sur la transe parce que au plus on y est bien, et on tuile ça avec la fin qui encore n'existe pas franchement. Donc il est l'heure, hein, qu'elle existe. Il est temps. L'après-midi, on fait en priorité l'interrogatoire. Et puis, en fonction du temps qui reste et de ce qu'on estime être urgent, on verra ce qu'on fait ensuite. À 17h, demain, on travaille avec les DMA sur nous, on y pense tout le temps, etc. etc. On prend vraiment un temps de travail pour ça. Ça marche. Demain, 17h. De là, c'est où là ? Tu l'as pas joué avec légèreté, tu vois, on sentait que il fallait que tu prennes sur toi pour prendre ce courage-là. T'as pris un risque. T'as pris un risque et c'était hyper juste et hyper fort. Et on voulait avoir votre sentiment sur la perception de cette scène finale. J'étais déjà, Philippe, une petite question. Nathal. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'en fait, je crois que je comprends pas en fait, la pièce. Cette histoire de, on a toute cette. Je vais aller faire un tour. Je vais aller me balader cet après-midi au bord de la mer. Ce développement de cette. Moi j'aime bien. Ouais. Alors, oui, déjà. Est-ce que tu peux dire globalement quoi? Ouais. Parce que c'est presque comique avec Johan, mais c'est pas comique parce qu'ils sont culpables et donc du coup, enfin, le coupable, pardon. Et le fait que ce soit un plateau télé, moi j'aime bien parce que genre. Ça fait penser aux médias, et vu que les médias, des fois, ils font un peu des conneries, bah, c'est... Moi, j'aime bien. Je sais pas exactement tous les détails qui me plaisent, mais l'ensemble est sympa. Enfin, en tout cas, d'accord. Je sais pas si c'était clair, ou pas du tout, mais... Voilà. Comme dit, en fait. Moi, j'aime bien, mais je comprends pas. De frigo, vide, plein, rencontré au matin, plein, vide, et cette liberté au frigo, plein, vide, vide. Claire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'aimerais offrir un geste. Oh, oui, oui. Plutôt un enchaînement de gestes. Zoé, est-ce que tu peux plaider?
t'explique. Au début, reste souple. Raconte tes trucs, tout le jour, machin, tout ça. Film de danse. Pendant ce temps, eux, ils sont micro. Fin du film de danse. On les voit et ils commencent à parler les uns les autres. C'est très bien qu'ils parlent en parlant. Donc c'est micro. C'est ça la scène 2. En ce qui te concerne, c'est micro allumé. Reste souple. En ce qui te concerne, c'est micro allumé. Lorsqu'on lance le top là, vous tapez les pieds, machin, à quel moment on déforeste? On peut couper le. C'est en même temps. On peut couper le s'il te plaît. On va voir. Les indications caméra pour Soren. Ouais. Zach, c'était gros plan, donc ça va. Fais gaffe les gros plans, hein, c'est son trop gros plan. Ok. C'est vraiment trop près, quoi. Pour Fabien, tu dois être là. Regardez-moi. Bah regarde, tu dois être là. Fabien ici, ok. Tu vois, c'est à peu près cette mètre, quoi. Ok. Et parce qu'il faut que tu lui donnes un contexte là avec Fabien, il joue vraiment pour la caméra. Ce que j'ai fait avec cette fille, je le referai jamais tout seul. J'aurais trop peur. Je dors pas bien. Trop de trucs à penser. Et une nuit, je suis couché. Je lève les yeux, elle est là derrière mon Velux, accroupie derrière la vitre, en pleine nuit. Mais comment elle est arrivée là? Je me demande. Puis je me dis, non, je dois rêver. Mais elle cogne contre la vitre. Donc, vas-y, j'ouvre. Elle me dit, bah, tu dors pas? Ou, je te dérange? Elle me dit, tiens, où ça? Sur le toit. Sur les toits, elle m'emmène. En pleine nuit. En pyjama, pieds nus, et elle aussi. On se balade, jamais je suis venu là, moi. Et elle m'entraîne, de toi en toi. Ça communique, je savais pas. Jamais vu la ville d'en haut, moi. Jamais été la tête sous les étoiles, si proche du ciel, et si tranquille. 7 minutes pour attaquer le filage. À 1h30, il faut qu'on attaque le filage. Il est 22. En costume. Non, pas celui-là, c'est bon. Philippe, t'as fini ou pas? Moi je pense que c'est bien si tout le monde met ses chaussures de sécu. Et puis continuez à vous appuyer les uns sur les autres. Et pareil, si vous sentez un de vos partenaires flancher un peu, il y a moyen, hein, de dire, allez, reste pas sur le côté là, viens, regarde là, waouh, c'est ici que ça se passe. On peut, hein, on peut aller chercher son pote là, son partenaire, pour parce que ça arrive. Ça arrive à tout le monde, quoi. Ça arrive à tous les gens dans cette boulot, à un moment donné, dire waouh. Ouais, c'est humain, quoi. C'est quand même un marathon, quoi. Hein. C'est quand même un truc qui. Tu sais pas, t'es dedans, et puis tu sais plus si c'est long, si ça va durer une éternité, si tu en as encore pour les plombs. Mais d'en avoir à la casquette, ça arrive. Et quand c'est reparti. C'est comme quand tu vas faire une sieste d'un quart d'heure, quoi. Excusez-moi, quoi. En fait, Alice, on a juste fait un petit point là auprès de tout le monde, déjà pour surtout pour vous dire que vous faisiez vraiment un super bon boulot et que vous avanciez dans cette histoire vraiment magnifiquement bien. C'est fort et émouvant, quoi. Donc, Ce qu'on fait là, c'est pour là-bas. C'est pas pour nous. Je crois que c'est super important. Ouais. D'autre part, d'autant plus que là, tout à coup, tu vois, on ne voit plus ce qu'il y a dehors, etc. Il ne faut jamais oublier que ça va là-bas, tout ça. Et que donc, quand on est là et qu'on est engagé dans un truc, c'est avec tous les autres pour aller là-bas. C'est pas pour rester ici. Thank you.
à son odeur de sel, de vieux débats mouillés, sa voix grave et mouillée, sa classe pour danser, sa cha-cha sensée, ses histoires énormes et nos cœurs cognent. Il nous reste à conclure cette célébration en vous enjoignant à rester convaincu et positif. On souhaiterait vous retrouver encore, bien évidemment. C'est très agréable d'être avec vous. Sans ça. Revoyons-nous le plus vite possible. Parlez-en à vos amis. Surtout, continuez de douter et faites attention à